Ah, je vais pas dire bonjour aujourd'hui parce que je suis un mec différent, ok? Salut! J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Sky Defender, mesdames et messieurs, au moment où vous regardez, on est certainement après le nouvel an, donc bonne année à tous. Et si c'est déjà dit, tant mieux. Si c'est pas dit, tant pis. Et pour ce Fallen Kingdom spécial Noël, on a quelques objectifs à réaliser un peu spéciaux, vous allez le voir. Tout d'abord, en rapport avec Noël, on aura un calendrier de l'Avent. Chaque jour, chaque épisode, on aura la possibilité de se rendre au centre de la map pour récupérer dans notre coffre du stuff un peu bonus. On n'a bien évidemment pas le droit de voler dans le coffre des autres, mais le stuff est bien évidemment récupérable si on tue le joueur juste après qu'il l'ait récupéré. De temps en temps, les lutins du Père Noël viendront nous rendre visite pour nous poser des questions contre des bonus aussi. Le PVP est activé épisode 2, le Nether épisode 3 et les assauts épisode 5. Et vous allez le voir, ça va nous laisser le temps de créer notre muraille. Muraille qui va mettre un peu de temps, vous allez... Enfin, bref, jugez par vous-même. En plus, ce Fallen Kingdoms a créé pas mal de polémiques, vous allez le voir. On a coupé les moments où ça rage un peu trop parce que bah c'est pas le but de la vidéo. Mais il y en a, et ceux qui étaient présents lors du stream ont pu le remarquer. En tout cas, je trouve que l'idée que j'avais eue est une idée un peu masterclass, 200 QI. Et voilà, je vous la partage. Et si vous êtes d'accord, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire. Si tu n'es pas d'accord, mets-le en commentaire, mais avec un commentaire constructif qui dit « Je ne suis pas d'accord, car... » Si tu es d'accord, tu mets « Je suis d'accord, car... » Parce que un cool, j'en ai rien à foutre. Voilà. Non, ça se fait pas de dire ça. Je suis désolé. On voulait pas, c'est fini. Vous allez le voir, j'étais avec une équipe de choc, avec Fatou, avec Dadou. Bref, c'était génial. Et si tu veux revoir des Fallen Kingdoms à l'ancienne, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à venir sur Twitch, avec plaisir, parce que ce sera vachement cool. En ce moment, Twitch, ça stream, t'as vu, genre, on est là. Au moment où vous regardez la vidéo, je suis certainement aux semaines de partiel, donc je suis certainement en train de crever. Mais on va essayer de les valider, j'espère. J'ai pas commencé à réviser. J'avais dit que je commençais après Noël. On est les 28. Génial. Bref, bonne vidéo à toi qui regarde. Et surtout, n'oublie pas, pas de stress, y'a Fares. Comment ça va les potes? Comment ça va? C'est trop chaud. Les gars, on est sur un Fallen Kingdoms. Les gars, je vous invite à me laisser faire la muraille. Je viens d'avoir une idée. Quelqu'un sait faire une salle des coffres? Ouais, ouais. On va improviser. Moi, je vous le dis, on n'a pas besoin de faire salle des coffres. Bah, si on a une bonne muraille. On a une bonne muraille. Ah oui, attendez, je vais ouvrir le calendrier, Ok, bien sûr. Moi j'ai une idée, je vais en bas, je vais miner du diamant. Ok, bah très bonne idée. Bonne idée. Les gars, je trouve qu'on s'est bien réparti les tâches pour le moment et ça me fait plaisir. Oh, Diamond Pickaxe et AKP. Il y avait une pioche. En gros, c'est un calendrier de l'avant, j'ai eu une pioche en diamant et une hache en diamant. Alors en gros, pour vous expliquer mon idée de muraille, vous voyez la Cité des Nations? Non. Non. Ok. Ça fait plaisir. Vous voyez un escalier dans Minecraft avec des blocs de cobble? Ok, en haut tu poses de la lave. La lave elle va descendre et elle va tomber à gauche, à droite et en bas. Par la lave, tu poses de l'eau. Ça fera de la cobble sur tout le long. À une hauteur. En gros, un générateur à lave quoi. Un générateur à cobble. Ça, et tu fais ça sur 50 couches. Mais ouais, je suis chaud. En vrai, c'est une bonne idée comme ça, ça nous évitera de miner. Si jamais il y a un stack ennemi de bûches dans le coffre, en haut. T'es un amour. Tu veux m'épouser? Non, c'est toujours extrême, Bichard. On en avait parlé tout à l'heure. Non, on en a pas parlé déjà. Ça va trop vite. Mais si, moi j'en ai parlé, ça va trop vite. Mais ça va trop vite. Tu vas me tendre, Damien. Tu vas me tendre. Je t'ai tendu aussi. T'as un peu de fer, juste que je fasse un saut. Quoi? Ça, je vais miner. Mais attends, mais c'est de la merde. On est d'accord? De la merde, la cave. Bah, c'est les cave FK. Oui, mais je pensais qu'elle était à l'infini, moi. Mais elles sont à l'infini, faut juste partir du bon côté ou que tu remines vite fait en couche 11 et t'attends, tu vas en choisir. J'avoue, je suis témoin, elles sont pas très très grandes, la nôtre. Viens, on fait Ocus Guild comme ça, il passe un mauvais FK de Noël. Mais c'est ultra méchant, les gars. C'est le concept, c'est de s'amuser en fait. Non, y'a pas de concept. On s'amuse là? C'est quoi le concept? Le concept, c'est quoi? Là, il y aurait 10 000 euros le concept, tu t'en bats les couilles, on est d'accord? Ouais, mais y a pas 10 000 euros. Si. Ouais. Par contre, quand y a du. Oh, allez, c'est bon. Ok. Ah, tu vas y arriver, fais un brouillon. Elle est incroyable, c'est d'insulte. Ouais, j'avoue, elle est pas mal. Je vais chercher le coffre du calendrier, je suis à côté. Ah bah vas-y. Elgui va chercher le coffre du calendrier de l'avant. Tu peux le faire, Roland. Y'a pas de diamant, y'a pas de diamant ici. Ouah, y'a deux stacks de fioles d'XP. Oh, bien ça. Par contre, les caves, les gars, vous avez vu des vrais caves? Non, mais what? Non. Bah, j'ai même pas vu les caves. J'ai pas de cave. Bah, vrai. Bonsoir l'équipe jaune. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir à toi-même. Ici le lutin. Je viens vous poser une petite question pour gagner. Je vais vous poser une petite question pour gagner 4 stacks d'endstone. Si vous répondez bon, et c'est une chance pour toute l'équipe. Oh, ok, voilà, je réfléchis pas alors, c'est bon. Dans quel pays se situe principalement la Laponie, région où se trouve le village du Père Noël? Réponse 1, la Russie. Réponse 2, la Slovaquie. Réponse 3, la Finlande.
Alors les gars, je sais pas la Russie, c'est Finlande ou Slovaquie, je pense, les gars. Ouais, pareil. Et je crois que je suis quasiment sûr que c'est Finlande. Mais vraiment. Si, ouais, à 99%. Moi vraiment, à 99% Finlande, parce que le Finlande, c'est le pays le plus au nord par rapport à la Slovaquie et à la Russie. Ouais. Comme j'ai jamais confiance en toi, je dirais la Slovaquie, moi. Moi, je suis sûr que c'est Finlande. Bah, le dernier mot, on va dire Finlande alors. C'est le dernier mot, Jean-Pierre. Allez, on fait confiance à Farah. C'est sa faute si on en perd. Non, ça va, c'est une bonne réponse. Yes! Let's go! Ça va, Finlande, bien joué à toi! Sur une hauteur de 2 déjà. Ok, punch pour 13 levels, attendez. Donc, je pense qu'on peut faire. Que j'ai peur de punch. 3 hauteurs de Dunstan. Faut qu'on fasse le lit en hauteur, ça sera fait. Ça sera plus à faire après. Tu veux que je fasse tout de suite? Vas-y. Je vais chercher de la cobble là surtout. J'ai cassé le lit. Ça vous tente qu'on change le... Faites pas la muraille, mais ça vous tente qu'on change le sol par contre? On fait le sol en endstone. Il y a un mec qui a dit tu mets les deux trucs de endstone sous la terre, comme ça ils peuvent pas rentrer par en dessous et vous bombardez la muraille en haut. Moi je pense qu'il faudrait les mettre sous la terre, ouais. Enfin, ou même vous savez que jour 2, là il y a le PVP, je crois, épisode 4, il y a le. Nether, ouais. Il y a calendrier de l'avant dans une minute. J'y vais, juste si tu veux. Non, vas-y, Dadou. Ils tueront pas. Mais après j'ai quand même 33 diamants sur moi, quoi. Ah non. Balandon. Connard, va. Potion de weakness, potion de chips. Damage. Contre chips. Il a 25 ans. Connard. Mais parle bien. Bah ouais. Pourquoi on a des bottes d'XP, ça sert à quoi? Je le tue ou pas? Voilà, tu le tues et tu leur laisses le coffre. Et tu mets 1-1. Voilà. Voilà, 1-1. Il a pas hésité une seule seconde. Il l'a arraché. Hein. Pas cool. Interdiction d'assaut sans avoir fait un build, genre bonhomme de neige, traîneau ou papa Noël. Ok, il arrive. Attends, on a besoin d'aller partir miner encore ou pas? Bah, on a 54 diamants, je sais pas si c'est suffisant. Bah, qu'est-ce qu'on a besoin là? D'or en fait, surtout. Non, pas d'or, d'XP en fait. On a pas de livre aussi. Attends, mais même niveau fer, on est pas incroyable. Hein. Si, c'est juste que c'est pas cuit. Hein. Bah, on a quasiment 2 stacks de fer, ça va en vrai. Bah, en vrai, pas ouf, hein, parce que si on meurt. Il y a cassé mon armure en plus. À jour 4, je vais dans le désert. Mais on y va tous? On y va pourquoi en fait? Il faut qu'on prenne des masses level. Faut faire notre self. Oui, c'est pour élever. Non, si pour l'émeraude, tu mets une 4 stacks de netherrack, après tu mets à cuire, ça va te donner des trucs avec lesquels tu peux faire des blocs de forteresse, mais c'est galère. Ouais, mais surtout qu'on va pas passer 3 heures à miner dans le nether, quoi. À tout moment, il y a un mec qui arrive, il nous pète la gueule. Mais non, c'était avec lui, hein, quand il devait t'embrouiller. T'arrives, Wilgis, arrive. On est sur un putain de PVP faction, le truc. Je suis pas sûr que ça soit dans le thème, la lave. Il y en a pour 4 heures, non, mais dans tous les cas, ce sera plus rentable que. Par contre, c'est pas grave si la lave elle sort comme ça? Non, ça va juste enlever toute la neige. Genre c'est tombé, tout est en bas? Ouais, c'est, ça tombe. Je peux mettre de l'eau là, t'es sûr? Farès, hein. What the fuck? Ouais, t'as vu? Attends un petit peu et ça sera bon. Pas besoin de trouver la canne à sucre, j'en ai trouvé plein, les gars. Là, c'est bon, tu peux y aller. Oh mon dieu. J'avoue que je suis plutôt content. Bon, elle a un peu des trous, mais... Regarde, maintenant je fais ça et je vais mettre plusieurs couches. Y'a le lutin qui te regarde. Le lutin est content. Non mais ça marche pas. Est-ce que c'est dans ces moments-là où je sais pas faire une tête? Par contre, peut-être un petit problème au niveau du bonhomme de neige, c'est que ben la lave. Ah non, le pauvre. Il aura pas fait le choix. Je veux juste. Coucou les enfants. Coucou. Wow. Bon, j'ai une petite question pour vous. Si vous répondez, ouais. Vous avez un petit cadeau. Moi, j'aime bien gâter les enfants. Sans mauvais jeu de mots. Bizarre. J'adore être gâté. Tu l'as moi, quand même, beaucoup aussi. Quel dessert fait partie de la liste des 13 desserts de Noël? Réponse A, la glace à la vanille. Réponse B, les dattes. Réponse C, la tarte aux pommes. Vite ma mère, je crois que c'est les dattes. Pour les moi dates, aussi. J'aurais dû aussi. C'est vrai? Est-ce que vous validez tous la réponse B? Oui. Oui. C'est bien joué. Voilà. Sans faute. Hein. Juste regarde. Oh. Ne dis rien. Et donne-leur. Oh ouais, tonton. Bichard, tu donnes ça à Bichard, il devient fou. C'est quoi? Joyeux Noël. Vas-y, je c'est une potion. Maintenant, faut deviner laquelle. Elle fait quoi? Invisible? Force, trop classique. Force. Bravo. Oui, invisible. Bravo. Vous trouverez une grotte au cadeau proche du portail du Nether au spawn. Maintenant? Ah, ça, ouais, c'est pour quand ça. C'est la grotte qui est à côté des calendriers. Mais pas maintenant. Mais puis ils recommencent à s'accumuler. Donc si on y va à chaque fois, ça veut dire qu'on les a à chaque fois. Par contre, ça veut dire que. Les gars, par contre, ça veut dire qu'en face, ils ont aussi la popo potentiellement, s'ils ont eu la bonne réponse. Ouais. Oui, oui. Ouais. Et tu sais que là, tu es en train de nous mettre de la cobble partout dans la base aussi. Hein. Oui, c'est pas grave. J'ai pas oublié le calendrier, les gars. C'est là où on a spawn. Ils sont deux. Bah, reviens vers la maison. Je pense que 3 couches, c'est suffisant là. Bah, là, on est pas mal, hein.
Oui. Vous voulez qu'on y aille maintenant? Attendez, je pose la popo par contre, parce que j'ai la popo sur moi là. Mais il mal. C'est dans combien de temps? C'est dans 3 minutes? C'est maintenant. Les gars, dans tous les cas, il faut qu'on y aille vu qu'il y a là, dans 7, 3 minutes. Ah, je vais me foutre la bouffe alors. Zéro bouffe. On y va du coup? Je sais pas si c'est une bonne idée, vaut mieux leur laisser aller chercher le prochain. Moi, à mon avis, voilà, s'il faut attendre en vrai, faut attendre un peu. D'ailleurs, il y a le Nether là. Il faut aller dans le Nether. Bon, ils vont y aller sûrement. Il faut qu'on y aille aussi, non? Bah, ouais, si on leur laisse. Là, l'armure, moi ça va, mais c'est vraiment l'épée quoi. Pour le moment, j'ai fait que 3 couches, mais on peut augmenter si besoin quoi. Déjà, nous, c'est quoi? J'ai des stick pistons et j'ai de la redstone et de daily séancer. Ils nous ont pris pour des redstoneurs pro en fait. Le problème, c'est que si on rentre et qu'ils sont déjà dedans, bah, ils vont nous attendre et ils vont nous baiser. Bah, après, s'ils s'y attendent pas, ouais, ça veut dire qu'ils l'ont. Ils y sont déjà eux. Ils sont déjà, ils ont mis de la cobble partout. Il y a une forteresse juste à côté, ils sont dedans. Ouais, ils sont dans la forteresse. On passe par là. En fait, c'est pas possible qu'ils soient revenus sauf s'il a creusé dans le mur. Sinon, on l'aurait vu. C'est déjà sorti. Je sais pas si vous pensez qu'il nous aurait laissé une Nether Wart quoi. Oui, normalement il laisse le spawner et au moins une Nether Wart. Non, les gars, moi la muraille elle avance bien. Hein. Vraiment, je vous le dis, c'est solide hein, ce qui arrive. Hein. Il est là, il y a Guild devant moi. Je suis vers le portail, je suis en dessous du portail, tu sais où il avait sauté. Je le vois, je suis derrière lui. Il est sur moi. J'arrive. Il y a une épée. Ouais, je t'impose. Mort. Parfait, t'es le boss. Vous avez le stuff? Il y avait des trucs ou pas? Oh, ouais, il y en a la moitié qui sont tombés dans la lave, mais l'autre moitié on a récupéré. Il avait sharpness 3 diams, il avait protection 3 fers. Mais en fait, j'avais aucune chance, heureusement que j'étais en pot. Bonsoir, nouvelle petite question, un peu compliquée pour 5 TNT. Dans le Père Noël est une ordure. Quel est le nom de la permanence téléphonique bénévole? SOS détresse solitude, SOS détresse amitié ou SOS détresse fête? J'ai pas vu. À mon avis, c'est le premier parce que c'est le Père Noël est une ordure, donc ça va être un film humoristique, donc je pense c'est le premier. Ouais, je suis d'accord avec Fatou en vrai. Vas-y Fatou, oh. La première, on dit. J'ai pas vu le film, je sais pas. Malheureusement, c'était la deuxième réponse, SOS détresse amitié. Bah, tu peux la donner quand même ou pas? On sait jamais, des fois, en y allant au culot, tu sais, des fois, on sait jamais. C'est bon, j'ai les verrues, frère. T'es le boss. T'as les blaze ou pas? Ouais, j'ai le truc de blaze, j'ai plusieurs. Au secours, il y a les inondations dans les grottes. C'est peut-être. Oh, bah, t'as, je suis un spawner. Non, la base ne ressemble pas. Attends, là, j'arrive là. Écoutez-moi, moi vivant, personne ne rentre. Du coup, je m'arrête quand au niveau de la muraille, quoi? Faut me dire, parce que c'est sûr, j'ai pas de limite, quoi. Au point où on en est, j'ai pas de limite, moi ça me plaît, hein. J'ai pas de limite, quoi, genre vraiment. On en est à un point où la base vraiment ne ressemble à rien. On pourrait juste foutre la salle des coffres dans les blocs de stone là. Ah non, mais oui, hein. Non, mais c'est vraiment. On va voir maintenant. En théorie, on peut faire un pari risqué. D'accord, t'as gagné. Parce qu'au final, il faut qu'elle soit accessible. On a un putain d'escalier montant. Si on met la base tout en haut. En fait, il faut casser tous les escaliers, les gars. Ah, par contre, le canrier, j'avoue, il n'y est pas allé. Oh, c'est pas grave. J'ai qu'un de stone, en fait. S'il nous cueille là. Alors, j'y vais tout nu juste pour voir est-ce que je peux le récupérer. C'est le coffre jaune où il y a la bannière jaune. Ouais, c'est ça. J'ai le coffre, c'était 5 TNT et une fireball. Après, ceux-là, faut juste pas qu'ils atteignent là. Voilà. Un gros trou en l'entrebase, les gars. Finissez le jump et atteignez le traîneau. Ah, ça, je l'avais vu, je me suis dit. Est-ce que vous pouvez finir. Je vais y aller, là. T'inquiète, je bouge. En vrai, là, on a 4 couches, plus tout ce qu'il y a au sol, là, ça fait 4 voire 5, voire 6 couches. Puis on a une hauteur en plus insane. Voilà. Ça fait chier. Il l'a eu? Ah, je pense, c'est chaud là. Après, ils sont allés à 2, ces bâtards. Après, on peut toujours les atteindre dans leur base, hein, pour les tuer. Faut qu'on fasse la salle des coffres, faut qu'on la mette à un endroit, hein, parce que là, 12 minutes, c'est les assauts, quoi. En fait, est-ce que ce serait pas utile d'utiliser la hauteur, en fait, de notre mur, mais... Une fois le jump terminé, le PVP est toujours interdit, tandis que tant que le joueur n'est pas quitté le spawn. Ah, ouais, donc on peut le cueillir à sa base. Ouais, il m'a tapé. Oh, tiens, Dadou. Oh, regarde-le, comment il est mignon. Oh... La salle des coffres, vous la foutez dans un des piliers de la muraille, vous faites un jump, le truc relou. En vrai, ça serait stylé, genre un jump sur la hauteur, genre. Mais... Non, c'est pas de jump. En fait, juste un escalier de l'intérieur qui va vers la hauteur, en fait. Mais tant qu'ils sont pas à l'intérieur, ils peuvent pas monter. Donc limite, un escalier qui donne pas accès à notre lit. On peut avoir, du coup, dans la muraille, en fait, juste un trou. Oui, un trou d'un bloc avec 4 Ouais, genre, juste on met les coffres et Osef. C'est ça. Ça, ils peuvent accéder à tout. J'ai eu quoi en fait? J'ai eu un leaf fire, je sais pas si on va avoir de l'utiliser. Bah, s'il y est. Monte sur la muraille et fais-le en ligne droite quelque part et genre les gens vont juste. Là, le bonhomme de neige. il est bien couvert là. Tu sais, c'est le même là, all is fine. Le mec est dans le feu là avec marqué all is fine. Avec sa petite tasse de café là. Ah, j'ai eu un bâton, knockback 3. Avec notre muraille. Oh, ça peut être trop bien avec notre muraille en plus. Bon allez,
C'est l'heure de la petite question pour 10 TNT. Vous êtes bien niveau TNT, vous? Bof. Bof. Du coup, faut mieux la gagner, celle-là. Ouais, parce qu'il nous met mal, genre. C'est les gars, ça, genre. Mieux la gagner, celle-là. Les gars, vous êtes dans la merde. En face, ils ont réussi, les mecs. Combien de sapins naturels sont vendus en France chaque année? 3,9 millions, 3,1 millions, 13,3 millions ou 18,6 millions? 18, ça me semble beaucoup. En vrai, moi, 18, je pense que ça me semblerait beaucoup. Moi, je dirais 6,1. C'est vraiment au pif, frère, j'en ai aucune idée. T'attends. Il y a une tension là. Non, là, c'est une bonne réponse. Je vous mets ça dans le coffre. Oh, mais je. Ouais. Trop dans un petit dropper en haut. Ça serait non, cool. Sérieux? Je suis allé sur internet, j'ai marqué de sapin de Noël vendu en chaque année. J'avais déjà marqué 6 millions 1, j'ai dit ok. Mais non, t'as tout triché. On va les couilles. Fin du jour 5 dans 6 secondes. Donc ça veut dire dans 30 secondes on peut attaquer. Vous avez TNT. Moi j'ai pas de staff, hein. Les gars, je suis full TNT et on peut en faire deux. Ouais, j'étais à 3 coeurs. Les gars, y'a le canary, attendez, j'y vais, y'a le canary. J'ai une base de 2x2x2 là. Ici, on met un saut de lave avec une trappe d'or et c'est tout. Je suis en train de faire les potes, hein. Je commence par des poisons. Est-ce que je peux avoir les coffres pour mettre justement les coffres? Tiens. C'est qui prend cher là? C'est galère de descendre quand même. J'ai l'impression qu'elle ressemble à rien à la base. Ouais, c'est le but. Ça a pas été dit qu'elle devait ressembler à quelque chose. Des lutins sont dans la partie. Une nouvelle base à attaquer se trouve en moins 206-309. J'y vais. Moi je pense que c'est Powers, hein, les gars. Vraiment, genre, je pense qu'on va juste se concentrer sur le. Pourtant, s'ils y vont, on y va. À leur base. Sinon, j'y vais. Viens, on va à leur base. Au pire, les gars, s'ils attaquent, vous utilisez la popo de invisibilité, vous prenez le stuff à leur place. Ah, mais attends, mais c'est vrai. Attends, passe la potion d'invisibilité, j'y vais. Je jure que je pique leur stuff à leur place. Et tu prends une TNT au cas où pour faire escalier, au cas où tu restes bloqué à un moment donné. J'y vais avec la potion. Moi j'y suis quasi, mais c'est loin putain. C'est en moins 200-300. Faites gaffe qu'ils attaquent pas en même temps, nous on reste à 100. Mais c'est une base. Bah, ils sont en train de les soulever. Mais moi je fight pas d'ado, hein. Je suis venu de stuff. Hein. Bon, je casse l'accès au truc. Il en prend beaucoup de ça ou pas? Y a une base ou pas? Y a quelqu'un? Prends-en une dizaine à peu près. Enfin, y'a quelqu'un, on peut faire vraiment de masse. Y'a Inorit, ouais. Y'a Ninjax là, ok. Laisse le fight. Ninjax est en train de les tuer d'ado. Il est tout seul, hein, Ninjax. Vraiment, il fight tout seul. Ouais, bah en même temps, ils ont. Ah non, y'a Frigel. Tu sais, j'ai envie d'y aller, hein. Ouais, ils sont deux. Oui, mais ils sont deux, bah encore. Frérot, ils sont deux, excuse-moi, j'ai une fire, hein. Après, ils peuvent monter très facilement une fois qu'ils sont à l'intérieur de chez nous, par contre. Ils se barrent. Non. Ils ont tout récupéré, y'a rien eu. Putain. Ça, j'aurais dû y aller, frère. Mais 2v1 d'ado. Moi, je pense pas qu'on doit être les premiers assauts. Si on attaque en deuxième, au moins l'avantage, c'est qu'on aura baisé leur premier stuff, et du coup, ce sera tout droit. Les gars, qu'est-ce qu'on a à faire encore en fait là? Bah, vu le stuff. Pas grand chose, hein, on va finir la muraille pour éviter qu'ils puissent monter facilement sur les côtés quoi. Ils arrivent. Ils sont là. Ils sont là. Bon. On a une potion de weakness, une potion de poison, on fait ça et. C'est... Il t'a pas dit. La question est je peux rentrer avec l'Underpearl ou pas? Les gars, je suis juste derrière eux. On leur balance une potion de poison, on saute? En vrai, on peut. Vous me dites et je peux y aller. Là, ça explose bien. Hein. Ouais, ils sont en train de causer là. Putain, ils sont là. Hop. J'en prends qu'une. Hein. Après, faut se dire qu'on a la potion de weakness. Hein. Tu peux la balancer dans le. Je peux mettre aussi la potion de weakness. Go. C'est bon. Ok, go. Go. Derrière moi. Titi, la speed. Je vais mourir. T'inquiète. On est là. Ouais, les dégâts de chute. J'arrive. Ça me fume les boules. Ouais, il est pas un demi-cœur. Les gars, il y a Frigel qui part avec le stuff de. Bon, bah ouais. Go le taper. Non, tu vois. Allez, c'est bon. Nice. Et Guy a piqué. Ok. What, la mort. Die. Go. Eh, les gars, juste, je tiens à signaler qu'on a des creepers dans notre muraille. La boule de neige, j'ai fermé l'œil quand j'ai pris la boule de neige. Ok, continue. Mais les deux, tapez deux. Je suis en train d'arriver au zéro. Où vous êtes? Il a perle. Ouais, bien joué. J'ai un carré de vie. Ouais, cut-le. Parfait. Oh! Il meurt jamais. Gil meurt jamais. Non, il meurt jamais, hein. Il a plus de vie, hein. Tu peux pas me taper sur lui? Ok, c'est bon. Vas-y, continue. Vous êtes où? J'ai plus de vie. Je suis au centre, vous êtes où? À leur porte, à eux. Ok, bah j'ai plus de bouffe, donc ça va être chaud. Ouais, mais récupéré le stuff. Mais non, les gars, ils ont gagné le fight. J'ai beaucoup de stuff sur moi.
Après, faites gaffe. Guil est sur moi. Guil a sûrement la fire. Hein. Recule en vrai si tu peux. Moi je me suis barré. Hein. C'est pas grave, si on leur a utilisé toute leur gap là, c'est bien. Tu veux pas taper trop ou pas? T'en as déjà. Il est juste là quoi, je crois. Il est parti. Moi, mais il a récupéré la fire. Oh les gars, on a troll de ouf. Guil a récupéré le stuff d'Elry et Guil a récupéré la fire. On a rien eu au final. Bon, j'arrive à leur base, je vais voir. Enfin, je vais voir ce que ça donne au niveau de leur truc. Ouais, c'est vraiment pas mal de slab chez eux. Et ils ont endstone première hauteur et troisième push, un truc du genre. Je sais pas comment on n'a pas pu les tuer avec la poison et tout, vraiment, je... Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle question? Oui. Ouais, mais pas un diamant, je veux pas un diamant. Question pour 10 TNT pour les assauts, là, parce qu'on sent que ça se profile et qu'il va y en avoir besoin. Très simple, dans quelle ville se trouve le marché de Noël le plus populaire en France? Strasbourg. Paris, Strasbourg. Nantes ou Strasbourg? Strasbourg. Même pas besoin de donner des propositions là. vous allez en avoir besoin des TNT. Hein. Merci, ouais, merci. Si on leur balance poison, dégâts et weakness, ça passe. Hein. Vas-y, un go test de toute façon. Faut juste timer au bon moment pour qu'ils soient tous groupés et qu'il n'y en a pas un qui. Bah, oula, ouais, on peut les péter ou pas? On peut les fight? Quelqu'un veut les potions? Ils sont dans la base. Hein. Ils sont dans la base. Hein. Quelqu'un se sent chaud de bien caler. Ils sont dans la base. Ils montent. L'arc punch, hein, là ça peut être pas mal. Hein. Tu peux, si t'arrives à en caber quelques-uns, ça peut être cool en vrai. Je les ai poison, j'en ai poison 2. Ouais, voilà, parfait. C'est bon. Parfait, les deux. Guil, Shogil, il est à l'intérieur de la base, il est tout seul, vite avant qu'il sorte. C'est bon. Bien joué. Et puis on les rattrape avec la KB3. Sur Titi. GG. Y'a un Fligia derrière moi. Derrière toi. J'ai un demi-cœur. Pas tout, si tu recules, je peux te caber. Attends, j'ai deux perles. Vous voulez toujours le suivre? Je vais retourner à la base. Go, retourne à la base. Drop le stick. Go, on se stuff et on les assaut. Tu peux avoir un peu de TNT et du flint et un final seal par hasard? Allez, go. Ils sont là. Ah non, c'est où? Venez, je vous claque la speed si vous voulez. Je claque ça. Vas-y, je pose le TNT. Même pas, on peut. Faites gaffe, à tout moment, ils pêchent au bon moment et c'est fini. Hein. Ils attendent juste le bon moment hein, pour nous lancer l'assaut. Hein. Faites gaffe qu'il y en a pas un qui saute par derrière, il nous prend, il nous cabait dans le trou et. Ah, mais c'est des slabs, ils ont fait des slabs. Ils sont mal, hein. Ils ont fait la même strat qu'avec nous. Dado, fais gaffe. Reviens. Ah, bah. C'est tout ce qu'il attendait. Dado, il veut saute dessus. Il te saute dessus. Continue à courir. Reviens à la base, Dado. Reviens à la base. Va à la base. Ne cours pas. Même derrière, c'est Titi qui l'a tué. Peut-être bien. Ok. J'arrive, Eric. Ouais, parfait. Parfait. Ok, c'est bon. Juste nous séparer et. C'est un trip d'entrer dans leur putain de base. On peut rentrer. Oh, y'a de l'eau. Vas-y, Frigel. Il peut pas remonter. Le pauvre. Ok, c'est bon. C'est de la bouffe? Non, c'était juste j'attends. Ah, c'est bon, on est dans la cave. J'ai deux cœurs là. On est dans la cave. Reculez. C'est pas poison. On attend de heal. Tiens, Dado. Utilisez leur stuff. Vraiment, dropez tout ce qui est inutile dans votre inventaire. Ils ont plus vraiment de stuff là. Et vous utilisez leurs épées. Par contre, ouais, l'eau ça va nous chier. Attends, on est d'accord, il faut trouver leur. Leur stade d'écoffre, ouais. Là, y'a un truc louche de mon côté. J'ai encore des épées, hein. T'as broke. Ok, ouais, je me barre. Là tu vois Damien, genre ici c'est bizarre. Genre si tu viens voir ici. J'ai un cœur et demi. Attends, laisse Ninjax arriver, laisse Ninjax arriver. Pour l'instant c'est soit dans leur grotte, soit je comprends pas. Parfait. T'as récupéré tu... Ah ok. Bon, c'est bon, c'est bon de faire ça. Les gars, pourquoi vous y a des problèmes de rage? On m'a mis une potion. T'as besoin de soleil ou pas? J'en ai un. T'es trop bas Dado. Attends, vas-y, je brûle. J'ai mon greffe, attends. Ah je peux pas, il est dedans. Mon greffe, attends, je suis mort. Fais gaffe. Remontez les gars, remontez, pitié, bon, c'est pitié, bon. Pitié, on est bon, pitié. On est bon. Mais du coup j'ai du bro, ouais, ça va, ils ont rien eu parce que j'ai tout brûlé en vrai, donc c'est ok. Je suis avec Fatou et Damien. Ah bah. Je reviens. J'ai pas de bouffe. Non mais en fait j'ai brûlé tout ton stuff Fares. J'ai absolument brûlé tout ton stuff. Vas-y bah go devant leur base, on attend. Vous êtes à court de TNT? Non. C'est juste pour notre temps. En fait à plus à court de bouffe que TNT en fait. Ça tombe bien parce que vous allez avoir l'occasion de gagner 15 TNT et un stack de carottes dorées. Ouais, mais pour faire péter toute leur base. Vas-y. Dans les marchés de Noël, quelle boisson retrouvons-nous le plus souvent? Je sais pas, le café chaud. Les trucs chauds là, je sais pas quoi. Ah, voilà. Vin chaud ou tequila chaude? C'est pas le vin chaud? C'est le vin chaud normalement. Oh, bah, viens, normalement, c'est le vin chaud. Bah, je suis allé il y a pas longtemps, il y avait que du vin chaud partout donc. Ok, attends, bougez, je te le mets juste. Viens, n'y va pas, Eric. Par contre, du coup, j'ai beaucoup de TNT si vous voulez. Fais croquer la bouffe et la TNT.
énervé, hein. Attention. Ah ouais, mais du coup, c'est où? C'est ça que je comprends pas. Mais ouais, c'est ça le truc. Genre, leur base, ils ont accès direct aux brottes. Du coup, bah. Ça va? Good. Oula. Les gars il y a Titi Fouté. Même une petite soulesse. Même une petite soulesse. Go, faut l'aider. Il a qu'une pioche. Ok. C'est bon, il est mort. Ah, une pomme d'or. Wouah, la potion de dégâts. Attends, c'est quoi la couche haute? On a dit 7. Les gars, faut que quelqu'un prenne le relais, hein, parce que la potion de dégâts, elle fait cher. Hein. Mais les gars, en fait, on va juste casser leur chest, hein. Force. Mais pourquoi il... Titi, il est full D. Titi, encore full D. Dehors. Non, il est full fer avec des bottes en DMs. Vas-y. Bah, j'ai tout pété en bas, y'a presque quoi. Comprends pas où ça peut être, genre. Bah, non, tu peux pas le mettre. Mais j'ai aucune idée où ça peut être. Mais ouais, c'est ça le truc, genre, où est leur salle de coffre. Pour moi, leur salle de coffre est vers le nord-ouest, hein. Parce que c'est le seul endroit où on n'a pas explosé, hein. Non, par contre, Frigel, ça fait grave longtemps qu'on l'a pas vu, les gars. Frigel, ça fait longtemps, on l'a pas vu, les gars. Frigel est pas là, je pense qu'il a notre base. Vous voulez pas, on vient à notre base, on les laisse? Parce qu'ils sont rien. Qu'on reste 5 minutes de plus, 5 minutes de moins. Viens, on vient à notre base, Dadou. Mais, what? Les gars, je suis mort. Monte! Casse-toi en tank. Oh putain, je suis mort, Ok, c'est bon. Glue mon stuff. Ah, je vais le péter. Oh, mais mon lit cassé! Le lit cassé, il a notre base, Frigel! Ils nous skivent, ils sont stuff, hein. Okay. Donc, ils avaient peut-être du stuff en. Le stuff à roll, Dadou? Ouais, faut qu'on reprenne la bouffe là. Pas ouf. Vraiment Frigel derrière nous, quoi. Derrière moi, quoi, en face de moi. Ah, mais j'arrive. Ah, ouais, mais il est full stuff, il nous a vu. Coucou! On est là-bas. Voilà, c'est bon. Voilà, bah attendez, je récupère le stuff. Y'a quelqu'un. Viens vite, Bichard. Waouh, mais derrière, on a plus de il est arrivé en marchant, il a dû faire du chemin. Ouais, je peux rien mettre de tout ça, en fait. Y'a plus rien en haut. C'est simple. Pour moi, y'a égalité, hein. Ils ont pas eu la nôtre, ils ont pas. Enfin, on a pas eu la leur. Hein. Bah oui, on a rien. Je vais finir, bon bah go. D'accord. Gros, mais on a vraiment défoncé toute leur base, quoi, donc. Moi, je vous le dis, elle est nord-ouest, leur salle, parce que c'est le seul endroit où on n'a pas fait péter. Hein. Ou sinon, il y a une zone endroit où il n'y a pas de TNT. Ouais, il y a un endroit où il n'y a pas de TNT. Genre, on n'a pas mis de TNT. Nord-ouest, c'est la zone nord-ouest. C'est où? On manque le fun, nous. Déjà, c'est pas là. Ah, mais travaille. C'est pas là. J'ai plus de TNT. Bah oui, il y en a qui il va y aller le rejoindre, il va gagner. Mais moi je sais pas où elle est, dit. Personne n'a par contre. Parce que je peux plus courir. Ah, tiens. Je suis bloqué, les gars. Tiens. Ah, on va l'avoir version normale. On est bloqué. Si les deux équipes sont d'accord, on peut donner un indice équivalent à chaque équipe sur la salle. Ah, parce qu'ils l'ont pas la nôtre. Bah non. Ah, genre un endroit, un angle avec une carte Noël. Je viens vous donner un indice sur la salle. Dis-nous tout. On n'y accède pas par l'intérieur. Ok, donc faut passer par l'extérieur, mais... Ouais, il est bon. Parce que, attends, mais là, on est d'accord qu'ils sont à notre base, hein, les trois. Donc s'ils ont notre salle, c'est fini, hein. Oui, non mais oui. Oh. J'ai trouvé leur salle, j'ai trouvé. Ouais. Mais elle est où? Moins 221, moins 355, dehors. Moins 221, moins 355. Et en fait, il y a un trou béant qui descend, et en fait, ça relie à leur base. Je vous mets de l'eau en bas, si vous voulez. Je vous ai mis de l'eau, vous pouvez les sauter. C'est là. Vous avez pas besoin d'MLG, vous pouvez juste sauter. Let's go spammer notre touche. Tap. Ouais. GG. Eh bah c'était dur, mais on n'est plus accessible côté jaune. Je sais pas qu'on a tout retrouvé en même temps, en fait. C'est pas genre Frigel, il nous a fait tout péter et du coup ça fait que du coup vu que ça a explosé ici, en fait normalement en fait la lave coupe pas, enfin elle plaît pas. Il y avait un seul trou avec de la lave et dedans il y avait la base. Ouais, okay. C'est qu'en fait avec l'explosion ça on pouvait plus y aller du coup. Ah mais en gros la lave vous avez jamais atteint cette zone là, donc c'est pas possible. Mais bien sûr que si, on était en train de... Ah, en invisible. Il a pas disparu par magie, hein. Ouais. Non mais on a remarqué qu'il avait disparu. Je suis allé sur internet, j'ai marqué de sapin de Noël vendu en chaque année. Ça a déjà marqué 6 millions 1, j'ai dit ok. Mais non, t'as tout triché. On va les couilles. On dit pas, frère, on dit pas.